même Monsieur Vitamer là. Monsieur Vitamer, bonjour. Bonjour. Je vous invite à aller boire un café. Oh, super, super. Nous voici dans quand même une des plus grandes maisons de Bruxelles, même disons peut-être même du monde. Donc, qu'est-ce qui est la renommée du chocolat belge? Quelle est votre opinion? La renommée du chocolat belge, elle vient du fait qu'on a toujours eu un chocolat de grande qualité pour les chocolatiers, pour les pâtissiers, en l'occurrence Calbaut, et qui a toujours été très très bon et pas cher du tout. Donc accessible à tous les pâtissiers chocolatiers qui voulaient donc faire du chocolat. Je crois que vous nous avez apporté une petite assiette de chocolat, on vous en remercie. Qu'est-ce qui fait, est-ce que ça, on est vraiment dans les grands classiques belges de la chocolaterie? Je pense que oui, parce que la caractéristique des chocolats belges, ils ont eu beaucoup de succès aussi, il ne faut pas oublier, c'est ces fameux chocolats à base de crème fraîche. Tout à fait. Comme on dit. C'est pour ça que nous sommes un peu réputés pour faire des chocolats avec des moules. Parce que pour faire la praline crème fraîche, il faut un moule. La fameuse praline. Contrairement à d'autres, ou les Français par exemple, où ils font beaucoup de ganaches. Donc on a ces moules particuliers, et dedans et donc il y a les crèmes diverses à base de crème fraîche, ce qui donne un assortiment de chocolat moulé. Bon, je sais pas, d'accord. Mais moi je veux bien continuer à parler là, mais quand je vois l'assiette qui est devant moi, oui. Je dois avouer que... Une petite dégustation s'impose, d'accord. Donc je vais me permettre de prendre le café. Manon café, hein? Moi je prends le vanille. En tout cas il brille bien. Hein. Ça, c'est vraiment la brillance du fondant confiseur. Ah, ils sont frais, hein, je vois. Hein. Ils sont vraiment frais quand ça colle comme ça encore un petit peu. C'est tendre. La petite noisette comme ça croquante, c'est... Ouais. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Patrick. Je trouve ça très, très intéressant, mais je suis curieux. J'aurais vraiment envie d'aller voir un petit peu comment... On réalise alors, je ne sais pas si c'est possible, mais d'aller dans l'atelier, peut-être voir un petit peu comment ça se passe. Pas de problème, on va vous montrer ça. Voilà, je vous présente Christophe, le chef chocolatier, qui va vous faire le Manon blanc, qui va donc faire la collection du Manon. Super, salut Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors je vois, Christophe, qu'on a déjà des Manons tout à fait finis. Voilà. Je vais t'avouer, je suis curieux de voir un peu l'intérieur. Ouais, problème, et que tu nous expliques peut-être la particularité du Manon Vitamer. On va le couper en deux, on va regarder ce qu'il y a dedans. On a une base évidemment de crème fraîche, On a du praliné, et alors une belle noisette torréfiée. Super. Enrobée évidemment de chocolat blanc, Calbaut. D'accord. Assez riche en poudre de lait. Bon, après, là, on ne va pas non plus dire ce que c'est pour garder évidemment le petit secret de la maison. Ce qui va donner le goût du Manon supplémentaire, ce qui fait la différence des autres. D'accord. Et le reste des ingrédients donc, qui constituent le fourrage du Manon, c'est... Alors, il y a du fondant. Fondant confiseur, c'est ça? Fondant confiseur. Il y a un beurre. D'accord. Un bon beurre. Un bon beurre. Pas de la margarine. Non, c'était vraiment un... Puis voilà quoi, donc après on va faire l'émulsion et c'est ça. Puis j'ai aussi vu des belles petites noisettes là, hein, voilà, comme on a vu dans la découpe là, voilà. Tout à tantôt. Les noisettes, ce sera après pour. On va mouler le moule avec du chocolat blanc. Oui. On mettra la noisette, remplir avec la crème, terminer avec un petit peu de praliné noisette et puis on referme avec du chocolat. D'accord. Et alors on a le Manon qui sera. Maintenant, tu nous montrais déjà la crème. Déjà, ce que je peux remarquer là, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même une belle crème bien émulsionnée. Voilà, hein, parce qu'on sait que parfois, quand on fait la crème, avec les chaleurs et tout, on a une séparation voilà. Des graisses et bien liquide. Il faut bien respecter les chaleurs, évidemment. Quand on va faire la crème, on va bouillir la crème fraîche. On va la mettre à tourner dans le batteur. On va rajouter le fondant. Et une fois que la masse est, je vais dire... Un peu moins que tiède, on rajoute le beurre, un peu style crème au beurre, et on continue à émulsionner la chose. Et à la fin, on donne un petit coup de vitesse pour que tout soit bien émulsionné. Et donner un peu d'aération, voilà. De légèreté, ouais, quelque part. C'est pas compliqué, mais c'est un petit tour de main, une recette
Simple, je veux dire. Moi, j'aime bien les choses simples. Fondant, vanille beurre, crème, vanille, praliné, noisette. Enfin, je crois qu'ici, dans la conversation, on a déjà vu quelques éléments, quelques matières, hein, quelques petites astuces qui mm-hmm. peuvent être ouais, très sympas mm-hmm. pour nous, pour après faire notre job de notre côté. En même temps, je suppose qu'il y a quand même certaines particularités. Vous n'avez peut-être pas envie de nous dire non plus, hein, parce qu'ils sont, ils vous appartiennent. Mais il y a quelques petits secrets, oui, bien sûr, qu'on doit garder pour nous. Bon, après, c'est ce qui fait la différence de chaque chocolatier. Et puis, tout à fait. Et ce qu'on respecte énormément. Donc, merci Christophe. Merci beaucoup en tout plaisir. Cas. Le partage est toujours la meilleure chose dans notre métier, je pense. Et voilà. C'est une très belle On est d'accord. Merci. On est d'accord. Mais Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce qu'on a vu aujourd'hui chez Vitamer, là, comment ils faisaient les manons, je trouvais ça vraiment intéressant. Et pour ma part, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me donne beaucoup d'idées pour innover dans le manon. Manny Alinda, Alexandre, ik bedoel Vitamer, 100 jaar oud, hè? Een huis, der huis. Ik denk dat alle grote chefs bijna vandaag uit ons beroep er toch wel langs geweest zijn om er te gaan werken. Plus het feit, niet alleen dat, naar ouderdom toe. Ik weet niet of je al een keer rond u hebt gekeken ook. We zitten hier gewoon in het Atomium van Brussel. Hè, waar dat wij toch de eer hebben vandaag om even te kokerellen en op de manon te gaan spelen van bij Vitamer. Dus ik vind het gewoon fantastisch dat wij dat kunnen meemaken uiteraard. Hè. Dus de manon, we gaan erop verder. Oui. Donc hoe gaan we die twist geven? Écoute Patrick, moi je pensais, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait peut-être essayer de faire un petit twist, peut-être avec de la framboise. Impeccable, mais n'oublions pas, hein, niet vergeten, van even terug de basis van de manon te nemen. Daar kunnen we niet van afwijken, denk ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is om er volledig in te blijven. Dus wat hebben we? We hebben room, die gaan we aan de kook brengen. Oui. De vanille, niet te vergeten. Bien grasse, hein, Patrick, elle est belle, elle est bien molle, bien grasse, super. Voilà, perfect. Ik ga even een klein tipje meegeven voor de kijkers thuis. In die zin van, één vanillestokje open doen. Meestal gaan jullie met klein mesje, hè, gaan we dat mooi opensnijden op de plank. En gaan we de zaadjes eruit krabben. Een kleine tip, als je er meer dan één moet gaan open doen, is van, neem een dompelvorkje. Je neemt de stompe kant van de vanille. Je steekt er één vorkje mooi door. Zo. Zeer eenvoudig. En nu ziet het mij waarschijnlijk heel gemakkelijk komen. Hè. Ja, tout à fait, hup. Ja. We trekken er gewoon aan, trekken het door en het zal altijd perfect middendoor gespleten zijn. Uiteraard, de vanille, die moeten we nog altijd uitschrapen en daarvoor gaan we toch wel terug over naar ons mesje. Dus we gaan die er mooi uitschrapen. Kijk Alexandre. Ouais, c'est superbe. Hein. C'est... Moi, Patrick, c'est ce que j'appelle le caviar de la pâtisserie. Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment les mêmes petits points, hein, des tout petits points comme ça. C'est plus petit que du caviar, mais ça ressemble vraiment au caviar. Ça coûte pas le même prix, hein. Ça coûte quand même cher, la vanille, ça coûte pas le même prix, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. Niet vergeten, als geïnfuseerd, steeds het stokje mee in de room koken. Hè? En eenmaal dat dat gekookt is, gaan we dat op kant zetten. We gaan dat afdekken. He, want het is zeer belangrijk dat de vanille mooi en de room intrekt in de vanillestok. Waarom? Er zit evenveel aroma in de stok dan in de zaadjes. Dus het is ongelooflijk belangrijk van dat een tiental minuutjes mooi te laten intrekken. We gaan dat straks terugpakken. Je gaat ook zien. We gaan dat mooi uitwrijven. En dan gaan we verder gaan op de vanille, want het is zo'n mooi product vandaag de dag. Het kost centjes, doet er niet eender twa mee. Maar we komen daarop terug, want jij zat met je twist een beetje, Alexandre, van... De framboise, dacht-ik, aciditeit. Oui, tout à fait. Donc moi, ce que je pense, ça serait pas mal intéressant. On va faire peut-être une petite confiture super, framboise. Parfait. Et on va partir simplement de purée de framboise. Donc, ici,
Patrick, tu vois, hein, on a ajouté le sucre. Hein. On voit vraiment le sucre. On va bien évidemment le laisser fondre. Okay. Une fois que ça va bouillir, le sucre, ben, il sera bien fondu. Et on va cuire ici, Patrick, à peu près à 104-105 degrés. Et c'est là que ça va se lier, ça va confiturer. En effet, c'est ce qui va permettre d'avoir la texture que tout à l'heure, tu vas voir, on va pouvoir ajouter dans la crème. Om even te herhalen naar de Manon toe. De particulariteit is dat we een fondant suikerdeeg hebben. Die al bijna even oud is, laten we zeggen, als de Manon zelf. Daarnaast gaan we de room er mooi over gieten met de vanille-infusie. We gaan dit zachtjes laten draaien tot als die fondant mooi gesmolten is. Nadien gaan we even snelheid omhoog halen. Als we eraan voelen aan de kuip, en we hebben ongeveer, we zitten niets kouder dan onze lichaamstemperatuur of gelijk aan, gaan we de boter geleidelijk aan toevoegen. Okay. Okay. Donc Patrick, en résumé, si j'ai bien compris, la crème, on l'a fait chauffer pour infuser la vanille. Exactement. Et de deux pour faire fondre le sucre fondant qui est dans le batteur, juste. Just. Donc on va bien laisser tourner, laisser refroidir, et puis après on va ajouter le beurre à température ambiante qui est mou, hein, qui est en pommade, on va dire. Exact. On va laisser bien tourner. Il y a un moment, il y aura une petite séparation. On continue à tourner, on aura une belle émulsion, on aura une crème parfaite. Faire très attention, Patrick, quand on fait les confitures, à partir du moment où on a une ébullition, mais il faut bien mélanger dedans, hein, parce qu'autrement, ça risque dans le fond de la casserole de prendre et ça risque de brûler. Mais si tu regardes, hein, le sucre est bien dissous, tu la prends comme ça, regarde. Regarde, tu vois ces petites gouttes-là? Les perles là, hein, voilà. Là. Ça commence à pas, elles sont encore, elles tombent encore un petit peu trop. Donc trop. Là, on a encore trop de quantité d'eau dans la confiture, il faut continuer, tu vois. Hein, évaporer, ça part. Et alors, si tu es à la maison, tu n'as pas de thermomètre, hein, souvent peu de personnes ont des thermomètres à confiture, des thermomètres qui vont jusqu'à cette température-là, ben, y a un petit truc, hein, tu prends une assiette ou une plaque, comme ici, une petite plaque en inox, et tu vas voir, je vais mettre une goutte, hein, sur la plaque, mm-hmm. On va le laisser refroidir, ça va prendre une petite minute, ok, et tu vas voir. Maar als je daar gewoon al ruikt, die geuren, c'est bon, hein. En dan kun je gewoon niet wachten dat die afgekoeld is, hein, Alexandre. Super. Ik zie die al op een lekkere boterham met een beetje boter, eerst een goeie boter en dan, oh, heerlijke confituur, hij ruikt gewoon. Tout à fait. Oh. Comme précis, juste de neuf. Patrick, laisse-moi te montrer ici. Regarde, tu vois, la confiture ici, elle est sur la plaque, tu vois, elle ne coule presque plus. Elle est bien brillante, bien brillante. Ouais, bien. Et là, tu confitures. Et hop, tu passes ton doigt ici. Regarde comme ça forme une petite peau. Ah, ça, c'est la pectine qui a réagi. Okay. Là, on a confituré. Okay. Donc là, on est bien. Hier gaan we nu de boter gaan toevoegen. Hè, dus we zitten echt op die temperatuur. Hè. Dus je kunt het voelen. We gaan stilletjes aan. Op een lage snelheid gaan we de blokjes boter gaan toevoegen. Maar hier ook al, hè, gewoon het voelen van de boter, zo, de goede boter tussen uw handen, geeft alleen maar zin dat die crème maar zo rap mogelijk klaar is om die te gaan kunnen proeven. Hè. We gaan dat stilletjes laten draaien. En dan gaan we dat eventjes opwarmen, 5 minuutjes laten draaien op een hogere snelheid. En dan gaan we echt een perfecte crème hebben. Oké, hier zie je, Alexandre, de crème is klaar. He, we gaan het afzetten. We gaan hem er mooi eruit halen. En we hebben een lekkere, smeuïge crème. Une crème bien brillante, bien émulsionnée. On voit tous les petits points de vanille. Rien qu'à le voir, ça donne envie de la manger. Bien lisse, bien brillante. Donc maintenant, Patrick, voilà, on va la diviser. Exact, we gaan alles mooi verdelen om verder te gaan. Prendre une balance, on va être précis en pâtisserie, on est toujours bien précis. Alors moi, je vais te peser les pots. Ik ga nu de drie afwegen. Magnifique, voilà. Ok. Ik ga ze doorgeven, dan kun jij verder gaan met de mengeling, Alexandre. Impeccable, le sens est très bien. Donc ici, Patrick, je vais ajouter le chocolat. Donc le chocolat, il est fondu. Il n'est pas trop chaud parce que ça ferait fondre la crème complètement. Donc je vais l'ajouter ici liquide. Il est même tempéré. Voilà. On va bien mettre tout le chocolat. Ici, on a préconisé un chocolat à 70% de cacao.
parce qu'on n'en met pas trop. Hein. Voilà, het is de bedoeling om toch een bittere chocolade te gaan gebruiken. Waarom? We kunnen er niet te veel bij doen, want we hebben al een herkristallisatie van de boter. Hè? Tout à fait. Herkristallisatie van de boter, plus nog een keer de cacaoboter in de chocolade. Just. Dus het moet ook wel een smeuïge crème blijven als we straks ons product gaan degusteren. Vandaar liever iets met meer bitterheid om toch die chocoladesmaak erdoor te krijgen. Hè? C'est clair, si on utilise trop de chocolat dans la préparation, ben on aura une crème qui à la fin sera trop cristallisée, sera trop dure en dégustation, ben c'est moins intéressant. Donc c'est mieux d'utiliser un chocolat qui est un peu plus puissant, donc un peu plus amer, mais en mettre moins en quantité. Donc voilà, ici regarde, on a une crème qui est encore une fois bien lisse, hein, le chocolat est bien mélangé à l'intérieur et je pense qu'on va pouvoir maintenant remplir. Tu t'occupes deuxième de la partie. Framboise hein? Tout à fait. Zoals gewenst. Dus hier hebben we terug 20% van onze frambozenconfituur genomen die we daar juist gemaakt hebben. En dus je kunt mooi zien dat we echt met een mooie gladde... Elle est belle, hein? Elle est brillante. Gladde confituur zitten. Superbe. Ouais. Voilà. We gaan dat magnifique. Er mooi ondermengen. Donc, in principe. Tout à fait. Je prépare des poches plastiques, Patrick. Super. Je t'en mets une juste à côté de toi. Hier moi, hebben je vais we déjà echt remplir een mooie rode kleur die tevoorschijn komt. Superbe. Kijk Alexandre, wacht even. Ik ga nu even iets laten zien. Tout à fait. Superbe. Elles ont les mêmes textures. Donc... Oh je vois où tu veux en venir. Voilà. Noir, jaune, rouge. On y est presque. Voilà, noir, jaune, rouge, comme le petit drapeau ici. De la Belgique, hein, on est en Belgique. België, hein, dus on voilà. Belgique. Daarmee gaan we door. Dus we blijven echt over onze Belgische fierheid doorgaan. Wat is dat Belgische fierheid? Is de chocolade die we vandaag bij de hand hebben om prachtige smeuïge producten te maken. En hier uiteraard de Manon, een van de meest bekende chocolade pralines, Belgische pralines uiteraard. Super. Donc voilà maintenant, Patrick, on va donc bien remplir des poches plastiques. Hein. On va faire nos trois poches. Moi, ik stel voor, Alexandre, dat we in een vormpje hierover gaan. Er mooi inspuiten. Waarom denkt u dat we, hè, als we de vorm zelf naar de vorm kijken, de Manon is wat? Is een chocolade schijfje waar dat we de crème Manon op gaan spuiten. We gaan die door de chocolade dompelen. Hè, dus we zitten met een bolvormige figuur uiteindelijk. Hier hebben we dit terug. Maar aangezien we een lolly gaan maken, gaan we dit in matjes spuiten om nadien mooi het stokje erin te schuiven en gaan we laten opstijven. Wat heel tof is, we blijven in het bol gegeven. We zitten in het atomium, bestaande uit bollen. Dus voilà, Manon is ook een bol. Dus ik stel voor om deze matjes te gaan opvullen. Je pense, Patrick, que tu nous as préparé une petite décoration pour les lolis. Bah, ja, we zaten dus in het Belgische. Tot nu toe hebben we alle kleuren van België al gezien. Maar daar stopt het nog niet. Hè. We gaan door in onze tricolore, in onze driekleur. Tout à fait. En dus wat hebben we gedaan? We hebben een aantal plaatjes gemaakt die we gaan ontdekken. Dus we hebben cirkelvormige witte chocoladeplaatjes gemaakt met rode strepen. C'est ça. Pas op. Met gele strepen. Et voilà la noire. Donc, et met zwarte strepen. On refait un petit peu le drapeau belge. Tout à fait. Ah, c'est très sympa. Dus ik weet niet of dat we al kunnen overgaan nu tot het dompelen, hè, van de lollies. We hebben er hier al een aantal die we uiteraard ontvormd hebben op voorhand. Hè, die gaan we mooi d'accord dompelen. Donc ici Patrick, donc on va les enrober ici dans le chocolat blanc. On va venir mettre juste au centre de la pastille de couleur, ici comme ça. Hein, on va essayer de garder les bâtons bien droits, comme ça. Ici, Patrick, c'est le jaune hein, au mieux, en Belgique. Donc jaune, ouais, hein, ouais. On va prendre la vanille. Voilà. C'est assez simple, hein, vous voyez.
Moi, j'aime beaucoup l'idée des petites pastilles. Tu sais pourquoi? Parce que ça va nous faire, ça va nous donner, je pense, à la fin, vraiment des lolis bien réguliers. Et ça, c'est beau. Je veux dire, pour le visuel, je pense qu'on aura vraiment quelque chose de très joli. Echt de netheid van het product, het visuele van het product, heeft ook belang vandaag. Het is niet alleen de kraak en de smaak, maar de netheid. Het oog wil ook wat, hè? Tout à fait. Inderdaad. Dus die gaan we dan terug in de frigo plaatsen. On va bien laisser cristalliser maintenant les sucettes, ce qui permettra d'avoir un produit final qui est brillant, qui est croquant et une netteté impeccable, et on va pouvoir présenter les produits. Alors, Patrick, voilà les produits qui sortent du frigo. Ben, on peut voir que le chocolat, il est complètement cristallisé, ça brille, c'est bien. On voit qu'il a une couleur uniforme, donc on a bien respecté. Qu'est-ce que tu nous proposes là, Patrick? Ben là maintenant, c'est de présenter les sucettes sur un présentoir à sucettes. Dus we gaan het echt mooi gaan presenteren op een lolly, een plexi met gaatjes in, dat die lekstokken mooi naar voren kunnen komen, dat we ook de expressie hebben van hetgeen dat we willen hebben uitdrukken vandaag. Just. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Dus dit is het finale. Dit is een dag werk, bij wijze van spreken. Hè? De apotheose van al ons werk en ons nadenken, de ontmoeting met Wita Meer, de Manon enzovoort. Dus ik stel voor dat we daarop verder gaan, hè, dat we ze er mooi in plaatsen. Patrick, ce matin, on a été chez Wita Meer, grande enseigne de la pâtisserie belge. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Atomium de l'Expo 58, si je ne me trompe pas. Regarde ce qu'on a fait. On a recréé le drapeau belge avec une praline typiquement belge, le Manon, qu'on a revisité. Dat is inderdaad het prachtige aan het verhaal vandaag. We komen van bij Wita Meer deze morgen, een huis dat 100 jaar bestaat. Kalleboud. 100 jaar bestaande ook. Dus twee heel mooie huizen die al toch een aantal jaren meegaan. En we hebben daar een prachtige revisiet gedaan van de Manon. Merci Patrick, un grand plaisir. Super, regarde les bons macarons et tout. Salut Jean-Philippe, comment vas-tu? Salut les amis, ça va bien à vous? C'est un plaisir de te voir. Moi de même. Salut Jean-Philippe. Bienvenue dans ma toute nouvelle boutique de la rue Aubert à Bruxelles. Hein, chocolat et macarons. Comme vous êtes là, j'ai une super idée. Est-ce que ça vous dit d'aller faire une dégustation sur la Grand Place? C'est génial, hein? Plus belge que ça. Super. Ok, let's go. Les gars, on n'est pas bien là. Attends, c'est magnifique, hein. Magnifique. Alors, comme promis, je vous ai amené une petite dégustation de produits d'Arcy, évidemment des macarons. D'accord, ce qui en fait un peu ta spécialité. Hein. C'est devenu une de mes spécialités, effectivement. Et puis évidemment, des chocolats belges, parce que la maison d'Arcy, c'est aussi des chocolats. Hein. C'est surtout des chocolats. Je peux ouvrir? Ben, vas-y, j'ai l'honneur. Waouh! Un petit assortiment, et puis. Puis évidemment. Un petit assortiment de pralines, belges évidemment. Elles sont magnifiques. Faire de délicieux chocolat belge. Hein. Moi j'ai une petite question pour Jean-Philippe. D'où est venue ta passion justement pour le macaron, le chocolat, et surtout le chocolat, on va dire, le chocolat belge quoi. Surtout le chocolat. En fait, tu sais qu'à la base je suis pâtissier, je suis pas chocolatier à la base, et c'est à force de faire des concours où on me demande de travailler chocolat, de faire des pièces artistiques, des pralines. Et vu les bons résultats, je me suis dit, attends, maintenant c'est bon, on va aussi vendre du chocolat, quoi. Oui. Et donc, évidemment, je me suis associé à la maison Calbo pour pouvoir développer ma gamme de chocolat et débusquer les meilleurs chocolats qu'il y a au monde pour pouvoir faire de délicieuses pralines. Et là, c'est vrai, Jean-Philippe, qu'on voit vraiment une gamme qui est assez unique parce qu'il y a vraiment un moulage qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, Patrick. Ça, c'est un espèce de moule tout fait avec le nom d'Arcy dessus, c'est vraiment joli. Tu nous les expliques un petit peu? Oui. Alors, pour la gamme, tu vois, toutes les pralines sont plates. Hein. D'accord. Pourquoi? Pour simplement avoir plus facile de les emballer, que ce soit bien présenté, que ce soit esthétique. Et au travail, effectivement, le carré, que ce soit en moulé ou en enrobé. Alors, on a des pralinés assez classiques, amandes noisettes, vraiment
je vais dire, la praline préférée du Belge, hein, puisqu'on sait bien que tout le monde aime le praliné. Et à côté de ça, on a des caramels, des ganaches, des choses un peu plus spéciales, comme une ganache rose framboise ou une ganache au jasmin, tu vois, choses un peu plus différentes. Bon, moi, les gars, moi, je veux bien, mais... Toi, t'as envie de goûter, hein, ça moi, je le veux vois, bien qu'on, hein, mais Patrick, à un moment donné, c'est bon, quoi. Je vois. On peut que découvrir si ce que tu nous racontes est véridique et juste. Hein, on est d'accord. Hein, ça va. Allez, on y va. Tu vas pour un noir. Moi, je vais prendre un petit lait. Défaut professionnel, je regarde toujours l'envers du bonbon. Petit caramel filandreux. C'est bon. C'est à la passion. Tout à fait. C'est un caramel de la passion. C'est l'Aphrodite, avec un nom magique justement pour faire penser. Moi, j'ai un caramel. La déesse de la séduction, ça va. Ça ne m'étonne pas toi, Jean-Philippe. Ça ne m'étonne pas toi. Moi, j'ai un petit caramel salé qui est vraiment délicieux. Caramel au beurre salé. Dans les macarons, Jean-Philippe, toi qui es le grand spécialiste, c'est vrai qu'en Belgique, tu as vraiment été, je pense, le pionnier dans le monde des macarons. J'ai eu la chance, je vais dire, d'arriver au bon moment avec les macarons, puisque j'ai beaucoup d'amis relais dessert. Et dans les relais dessert, ils faisaient des macarons déjà depuis quelques années en France. Et il y a 8 ans, j'ai eu la bonne idée, je vais dire, de lancer le macaron assez tôt. J'ai été le premier avec Vitamère à les lancer en Belgique. Ça fait qu'on est devenu assez vite des spécialistes du macaron. Et on a pris une très bonne image. Et maintenant, on a 21 sortes de macarons en boutique, donc c'est assez énorme. Je te propose de goûter celui-ci, c'est le macaron Cuberdon. Ah, Cuberdon, bien belge, évidemment. Tout à fait. Très joli en tout cas, une belle couleur. Mouche. C'est croquant comme on le veut, mou à l'intérieur. Tout à fait. C'est vraiment le but du macaron, c'est d'avoir quelque chose de croquant, mais de moelleux en bouche et de très agréable à déguster. Oh là 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 là, comme c'est beau ça. C'est la Belgique. C'est magnifique ça. Il ne manquait plus que ça. Merci madame. Madame. À votre service. Alors en revanche, je crois, je ça pense se mérite. Hein. Ça se mérite, un petit macaron, une petite praline, je vous en prie. C'est chez qui? C'est chez Darcy. Vous ne connaissez pas la maison d'Arcy? Ah voilà. Je fais ma difficile. En plus praliné. Non, mais vous avez raison. Praliné à noisette. J'aimerais bien ça. Vous êtes plutôt ganache ou plutôt praliné? Ganache? Alors ça, je vais vous faire plaît, hein. Manger ça là, puis je vais vous faire déguster une praline extraordinaire qui est de praline, une ganache au coquelicot. Ah ouais. Alors vous allez être surprise parce que c'est assez exotique comme goût. Des goûts de notes de fruits jaunes, des bananes, des mangues. Vous allez voir, c'est délicieux. On ne s'y attend pas, mais c'est vraiment une praline qui est une réussite totale. Bon, moi, entre-temps, je propose... Allez, les gars, à votre santé. Santé, alors. Un grand merci. Santé. Santé. Santé, Patrick. À votre santé. Merci, votre santé. Jean-Philippe. Hein. Bonne idée. Hein. Eh ben, ça fait du bien. Hein. T'as un petit macaron qui va avec ça? Moi, je suis convaincu de la dégustation des chocolats avec la bière belge. Ouais. C'est vraiment quelque chose, c'est toujours une réussite. Patrick, à toi l'honneur. What? I don't know. I like them younger. I just took your picture. Please, you're welcome, enjoy. Jean-Philippe, ils ont tout mangé, il n'y a plus rien, plus de macarons, plus de chocolat. Je regarde un peu le ciel, à mon avis. On est en Belgique, il va un peu pleuvoir. Hein. C'est l'adresse nationale. Hein. Patrick, moi je ferai dernière petite santé. Santé. Grand merci, super. Merci à vous. Santé les gars. Salut. Santé, merci. Patrick, incroyable. Jean-Philippe Darcy, vraiment un gars super sympathique. Moi, j'ai vraiment adoré les produits, son magasin, les nouveautés, ses petits chocolats, ses macarons et tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était vraiment... Bah, voor mij is dat een gast, een cadet, een ket, gelijk dat ze in Brussel zeggen. Ongelooflijk. Ik bedoel, dat is een gast, allez, een grappige gast, pied-à-terre, die er droomt niet. Die zit bijna wereldwijd, heeft hij bijna nu winkels open gedaan. Dus u gedacht van, bam, chocolade, macaron, effectief. Hè? We kunnen er misschien de king van.
Macarons. Newman, le roi des macarons, Jean-Philippe Darcy, qui, comme tu le dis, Patrick, hein, il est un peu partout. Il est en Belgique, il est au Japon, il est un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses ce qu'on peut faire? Comment on va revisiter, voir un petit peu? Ça nous a quand même inspiré. Tu as une idée, toi, Patrick? Je suis al begonnen een beetje. Hè. Ik moet hem nog juist maar inkopen. Hè. Dus de chocolade, de macarons. Misschien daar een combinatie van de twee, maar dan op onze manier, hè, Alexander. Dus ik stel voor, laten we gewoon aan beginnen. Jullie zult wel naderhand ontdekken waarover dat we het hebben. En dus laten we gewoon starten. Oké, okay, super. Alors, on va commencer peut-être par une belle petite ganache. On va expliquer un peu comment on fait une bonne petite ganache. Hein. J'ai réuni ici les ingrédients. Donc ici, on a de la crème. On a le chocolat qui est déjà fondu. Si tu veux bien me le peser, Patrick. Avec plaisir. C'est super. Donc, je vais ici prendre la crème. Je vais la mettre dans mon poêlon. Et on va mélanger trois différents sucres. Alors ici, on aura du glucose. On aura du sucre inverti. Et on aura un peu de sorbitol. Donc ça, Patrick, c'est des sucres pour aider à la conservation du produit. Donc voilà le sucre inverti et ici le sorbitol en poudre. Alors ici, il est très important de chauffer la crème. Ici, on va prendre la température. C'est très, très, très important. On va chauffer la crème à 40 degrés. Pourquoi à 40 degrés? Parce qu'à 40 degrés, on est certain que tous les sucres sont complètement dissous. On ne va pas aller au-dessus, Patrick, comme ça on va mélanger, on va émulsionner le chocolat qui est liquide et on va essayer de tenir une température finale entre 30 et 35 degrés. On va pouvoir la cadrer directement et on aura déjà des cristaux stables dans le ganache. Dus naar efficiëntie toe in uw productie, Alexandre, is dat de perfecte manier uiteindelijk, hè, om rechtstreeks door te kunnen werken, niet te moeten wachten van, hè, is mijn mengeling, mijn emulsie niet te warm vooraleer dat ik de boter of de alcohol of de aroma's kan toevoegen. Dus een ideale manier. We hebben hier ook geopteerd om een 70-30, 38 en 40 gaan gebruiken voor in de ganache. Hè, dus weer om die lekkere bitterheid te gaan weergeven in de ganache. Exact. Niet onbelangrijk, hè. On arrive ici à 40 degrés. Perfect. Hein, on stoppe. On va pas plus loin. On va pas plus loin. Ok. C'est important. Ok. De et chocolat. Tu vois que la crème, elle a changé de couleur. Hein, ça c'est grâce au sucre, elle a jauni un petit peu. Donc c'est une crème qui est sucrée maintenant. Het is, het heeft ook geen noodzaak van warmer te gaan, want de suikers die smelten rond de 30, 35 graden. Exactement. Dus perfect. Donc ça c'est vraiment important. Donc ici, je coule toujours la partie liquide, donc la crème ici en l'occurrence. On va ajouter le chocolat. Donc, on répète, le chocolat, il est fondu, hein, il est. Merci Patrick. Il est pré-cristallisé, tout à fait. Hein, donc, on est là, ici, on est aux environs de 32 degrés, 32, 33. D'accord, super. On va bien mettre tout le chocolat. On va ajouter une petite partie de beurre de cacao. Et le beurre de cacao, ici, Patrick, bon, ça va nous aider pour avoir une consistance finale, ce qui va nous permettre de pouvoir couper les chocolats à la guitare. D'accord? Super. Donc ici, hein, on va utiliser du beurre de cacao Micrio. Donc c'est un beurre de cacao qui est sous forme de poudre, très facile à l'emploi. Avec la température qu'on a, hein, de 40 degrés de la crème, il va fondre automatiquement. Et ici, on a un beurre anhydre. Un beurre anhydre, c'est un beurre en fait qui ne contient pas d'eau. 100% beurre, 100% matière grasse. Il n'y a pas d'eau. Encore une fois, on décide d'utiliser un beurre comme ça pour éviter d'ajouter de l'eau dans la ganache. Dus wel zeer belangrijk naar de houdbaarheid van uw product, Alexander. Tout à fait, Patrick. Van uw room, uw boter, al uw producten, probeert ze zodanig uit te kiezen dat ze een minimum aan water hebben om je houdbaarheid te gaan verlengen. Dus dat is al hetgeen dat Alexander hier perfect aan het uitleggen is. Hè? Alors, ce qui est très important dans la réalisation d'une ganache, c'est qu'il y ait une belle friction, qu'il y ait une belle émulsion. Pour ça, il faut avoir aussi du matériel adapté. Et ici, on a pris un super cutter. Et ce cutter va permettre d'émulsionner. Ça ne sert strictement à rien de mettre ces cutters-là à toute vitesse, parce que plus tu augmentes la vitesse, plus tu vas faire rentrer de l'air dans ta ganache, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Ce que je te propose maintenant, Patrick, c'est préparer le cadre. Si tu veux bien chablonner. Dus we gaan jullie even een kleine tip geven om uw kaders, natuurlijk op een kleinere schaal. Hè. We hebben een sponsje dat we lichtjes bevochtigd hebben. We gaan de plaat hier met dat sponsje bevochtigen.
We nemen een plastic. Deze plastic gaan we over de plaat plaatsen. En dan Alexandre, ik heb mijn schoonbroer, dat is een ruitenwasser. Elle était en train de nettoyer les fenêtres à la maison. Non, mon beau-frère, c'est un laveur de vitres, tu vois. Dus heb ik dat eventjes van hem mogen lenen vandaag. Maar dat werkt dus perfect om ergens uw blad mooi op uw plaat, zonder lucht ertussen, te kunnen bevestigen. Ça, c'est vraiment un super petit truc, Patrick. Regarde, le plastique, il bouge plus. On peut tirer. Ça, c'est génial. Ça bouge plus et ça permettra d'étaler le chocolat d'une façon régulière. Ja, het is, ik zie dat je ervan geniet dat het precies een spelletje is voor u van hè, te surfen over de ganache, bij wijze van spreken. Allez, tout à fait, ça doit être bien plat. Elle est prête. Alors maintenant, on va mettre cette ganache au frigo. Un frigo à chocolat, donc un frigo 16 degrés. On va la laisser cristalliser. Une fois qu'elle a légèrement pris, on la sort. On va venir la plastifier pour être certain qu'elle ne sèche pas. Et puis après, on va la laisser cristalliser pendant 12 heures pour pouvoir après la couper à la guitare. Dus de ganache, Alexandre, hebben we een nacht laten rusten, hè, zoals we het voordien zeiden. Dan hebben we ze gesneden met snijdraadapparaat. Wij hebben heel dunne, fijne palets gemaakt. Zo noemen we het, palets. We hebben hier een aantal die klaar zijn. Wat gaan we nu met die palets doen? Donc maintenant, c'est ça qu'on va enrober, hein, Patrick. Donc c'est bien les palets, très fins, bien découpés. Il y a une belle découpe là, je vois. On a vraiment des beaux carrés. Et tu vas utiliser, donc voilà ce qu'on appelle une fourchette à enrober. Donc pour ça, on utilise du chocolat précristallisé. En l'occurrence ici, référence Calbo 70, 30, 42. Donc un chocolat qui contient plus de beurre de cacao pour avoir une plus fine couche. Dus om dunner te kunnen gaan mouleren, hebben we dit type chocolade gebruikt. Dus we gaan het vierkantje ganache nemen, we gaan dat op de chocolade leggen. D'accord, la technique. We gaan dat mooi naar beneden dompelen en we gaan met behulp van een vork een fijn laagje chocolade er terug over trekken. Daarna is het zeer belangrijk om te dompelen. Dus het D'accord. dompelwerk is zeer belangrijk dat je eigenlijk door de massa van de chocolade, moet je altijd in contact blijven, gaat hij de overige chocolade mee wegtrekken. Hè. En dan gaan we dat mooi... C'est superbe, Patrick, ces petits palais. Neerleggen. On voit déjà le résultat final, c'est déjà bien brillant. Alexandre, we hebben hier eigenlijk wel... Ik vind een gemakkelijke chocolade om te dompelen. Ik heb er hier nu een aantal gedaan, fijn laagje. Kan je iets meer vertellen over die chocolade-applicatie? En effet, Patrick, tu as tout à fait raison. Donc, vous voyez ici le beau packaging chez Calbo. Vous avez toutes les informations sur le chocolat pour toutes les applications. Donc, ce qui est important ici dans ce cas-ci, hein, comme tu disais, Patrick, un chocolat 70, 30, 42, donc un chocolat qui est très fluide. Ici, vous avez les différentes gouttes. Ici, on est dans un 38, mais nous vous le proposons aussi en 42% de cacao. Mais ça, c'est juste de... De 70, 30, 38 dat we voor de vulling gebruikt exactement, hebben. Okay. Exactement. En celui qu'on a ici dans le fondoir, c'est avec 42%. 42, dus 42%. Dus veel gemakkelijker om te dompelen, lopender, om een fijn laagje te doen. Bon, Alexandre, de macarons, hebben we die bij? Oui, Patrick, donc ici, nous avons réalisé quelques macarons. Hein, regardez, encore une fois, on a choisi les couleurs hein, qui représentent de nouveau le drapeau belge, on en est fiers. Et ici, à chaque couleur, on va donner un goût. Donc, on a choisi des goûts qui sont typiquement belges. Donc, ici, pour le noir, on va faire au sirop de Liège. Ici, dans le chocolat jaune, pardon, dans la couleur jaune, on aura un caramel spéculoos. Et rouge, on va faire une belle confiture de fraises de Wepion. Donc, des produits vraiment typiquement belges. Deze chocolatjes gaan we terug in een koelere kamer zetten, 14, 15 graden. Tout à fait. Om te laten uitkristalliseren. We gaan die gewoon even wegzetten. En dan, nadien, uiteraard, speciaal voor jullie, hebben we er al een paar klaar. Maar dat ons toelaat eigenlijk om ons concept Jean-Philippe Darcy vertaling door te trekken. Hè? Tout à fait. Donc ici,
Patrick, on va aller insérer un petit macaron de chaque côté du chocolat. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne mets pas beaucoup de confiture. Mais par contre, j'en mets des deux côtés, évidemment. Dus zoals je kunt zien, gaan we eigenlijk de ganache of de praline gebruiken om in de macaron te zetten. En we gaan een extra aroma bijbrengen doorheen, in dit geval, de confiture van fraise de Vépion. Donc ici, Patrick, pour le jaune, on va utiliser le petit caramel spéculoos. Regarde la texture, magnifique texture. Bien crémeuse. Hein, et c'est bien parce que ça va bien attacher au chocolat. Donc il ne faut pas en mettre de trop parce que si vous en mettez trop, évidemment, ça va déborder dans tous les sens. Il faut en mettre assez pour qu'il y ait un goût et assez pour le coller. Ça, c'est superbe, Patrick. Et je termine avec le noir, le sirop de Liège. Donc ici, on est toujours parti sur le même chocolat, la même base, le même centre, mais on a donné un goût différent grâce à l'intérieur du macaron. Là, je pense, Patrick, qu'on va faire un peu honneur à Jean-Philippe. Il nous a montré aujourd'hui ces macarons qui étaient magnifiques, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de goût. Il nous a montré aussi ces petits chocolats. Mais nous, on a décidé tout simplement d'aller combiner le tout ensemble et avoir ici un petit macaron avec un palais chocolat à l'intérieur. Et regardez ce que ça donne. Patrick, termine. Voilà, c'est Iris résultat. On va le mettre. Voilà, tout à fait. C'est un peu délicat, on va un peu ranger en même temps. Voilà, dus we hebben weer zwart, geel, rood, onze Belgische vlag voorgesteld. En het is echt Jean-Philippe Darcy. Dus c'est joli. Ik denk dat we bij deze ook weer Jean-Philippe Darcy mogen bedanken voor deze inspiratie. Macaron, praline belge, c'est génial. Super, dank u. Dag David. Hallo, goed, dank u. Goedemorgen David. Alles goed? Goed, ça va. Dus we zijn vandaag aanwezig in de aanwezigheid van David Manhout. Dus uitgeroepen tot beste chocolatier van België door de Goemio 2013. Dus David, wij komen hier, wij willen iets van u kunnen meepikken. Hoe jongleer jij met al uw smaken en zo? Dus daar willen wij echt iets van opbrengen. We gaan eens proeven, hè? Oké, super. Dan gaan we eraan beginnen. Oké, dat is super. Wij volgen u, David. David, we staan voor u toch vol prachtige chocolade. Kort woordje uitleg over uw smaakcombinaties. Ja, dus we gaan van heel klassiek tot heel speciaal in combinatie. Dat is hier bijvoorbeeld een calamansi koriander. Ik proef dat. En van waar komt uw inspiratie voor deze? Goh, ik doe heel veel inspiratie op eigenlijk in het buitenland, op reizen, op demos, op noem maar op. En dan zie je soms ongewone combinaties op je bord als je ergens gaat eten. En dat kan soms voldoende zijn om te zeggen dat dat gaat perfect samengaan met chocolade. En om een lichtje te laten branden, ja, bij wijze van spreken. Zeer lekker, mooie aciditeit. Inderdaad. Koriander heel subtiel. Heel subtiel, ja. Zeer, zeer tof. Is dat nu echt uw goedkeur uit heel het gamma? We maken eigenlijk zodanig veel speciale dingen, maar hier ligt alles heel commercieel. En dan achteraan gebeurt er nog van alles. Doen we eigenlijk heel veel voor sterrenchefs. Doen we heel veel maatwerk, maar hele zotte combinaties soms. Complete out of the box op dat moment. Minder commercieel. Ja, meer soms smaken en kleuren die passen met het interieur van een zaak. Of echt iets dat volgens de maandmenu inpast en zo. Doen we heel, heel gekke dingen. En heb jij voor ons misschien iets in petto? Ja, ik zou zeggen, kom je dan van achter. We gaan eens. Super! Okay. Oké. Okay. Voilà, we zitten aan de zee. Ik ga jullie de zee tonen. De meest verse garnalen aan de zee. Ja. Super, nu
David, u kennende, zie jij daar chocolade bij passen of absoluut, helemaal ja, niet? Nee, absoluut, absoluut. Onze huisspecialiteit, de umami praline. Op basis van Japanse top, ambachtelijke top sojasaus, nog ambachtelijke brouw, in combinatie met geroosterde en karameliseerde sesam. Ah ja. En dat komt goed? Perfect. Umami is hard te vastmaken, met een beetje het zilte van de garnaal. Kunnen we proeven? Ja, natuurlijk. Nou, beginnen hè. Een handje nemen, hè. Mm-hmm. Ah ja, interessant, ja. Zilte, het zoute, ja, in combinatie met hartige. Super, super. Savan, nu gaan we misschien even naar de zee. Super. Het is hier 50 meter van. Allee, dan gaan we. David, we zitten wellicht een beetje in het typische Belgische weer, moet ik zeggen. Ja, het is wel redelijk. Belgisch voorjaar. De temperatuur zit goed, ja, maar weer al regen in België. Nee, koud is niet, hè? Nee. Oh, het is een goed temperatuurtje, maar wat doe je nu naar de zomer toe? We weten dat dat een moeilijke periode is voor chocolatiers. Nee, we passen ons assortiment volledig aan. We spelen met het seizoen, dus lente, zomer, spelen met veel tuinkruiden. Basilicum, verse munt, rozemarijn, noem maar op. Mm-hmm. En gaan we werken met veel vruchten, passievrucht, framboos, aardbei, van alles. Ik denk, ik weet niet Alexander, maar als ik dat allemaal hoor, heb ik wel een keer rustig om toch kortweg een keer vlug iets te gaan, gaan proeven. Want je maakt ons wel echt curieus met al die smaakcombinatie, die zomerse smaken. Ja, ik ben ook nieuwsgierig. En die frisheid waarschijnlijk in die pralines. Ja. Dus ik weet niet of we eventueel hier even kunnen stoppen. Zie ik daar duinen? Nee. Ja, nee. Daar. Oh. Hey, remmen op tijd, hè, want die remt graag. Heel nat, hè? Ja. Oh. De bel is kapot. Godverdomme. Slecht weer. Oh, amai. Oh. Ja, David, zon, regen. Allee, we gaan misschien terug regen krijgen. Dus ik stel voor dat we er snel van profiteren. Ja, ça va. Wel rustig aan, omdat we uw creaties toch mooi kunnen degusteren. Dus we hadden het daar juist over welke smaken allemaal? Een beetje zomerse smaken in, hè. Dus mojito. Ah ja, aperitief. Tijd voor aperitief. Rum, rietsuiker. Basilicum met een amandelcrunch. Een beetje zeezout. Citroengras in combinatie met gember. Ik ga er gewoon voor. Sorry. Ja. Sorry, hè, maar... En een klein beetje zeezout in verwerkt. En een passievrucht met yoghurt. Voor mij is een mojito. Die, hè. Was er eerst, mojito, hè? De mojito. Ik ga voor de basilicum. Ah, ja. Excellent. Goed gedaan. Ja, klopt. Hij is echt... Goed gedaan. Moet ik proeven. Ja, gewoon een keer draaien. Ook mooie textuur, hè, Patrick? Hè? Huh? Mooi toch, hè? Ja. Heel goed gedaan. Oh, David, we staan terug op wat droger. Je hebt ons wel de water in de mond gegeven, hè, op de go-kart daar juist. Dus het was wel een funny ride. Wat heb je voor ons in petto nu? Dus we gaan een infusie maken met citroengras. We gaan er een klein beetje peper en zout aan toevoegen. Een beetje zout, Noordzeezout, om een extra boost te geven. Een klein beetje peper om het wat pit te geven. En we gaan dat even rustig laten trekken, laten koken. En dat gaat een echte smaakbom worden. Dus het is zeer belangrijk dat het zijn tijd neemt om te rijpen, om echt al die smaken in de room. Dan smaken volledig tot de ontwikkeling komen in de room. Super, en dan nadien, David, zie je chocolade uiteraard. Ja, we zijn echte Belgen, dus chauvinistisch. Op en top Belgische kalleboutchocolade, de 811 Kellets. Waarom de 811? Omdat het is een heel milde chocolade en het citroengras en kruiden in het algemeen krijgen een extra boost. Die komen echt boven de chocolade uit. En bij ons is dat de bedoeling dat we echt smaakbom creëren. Ja, niet te bitter chocolade. Ja. Okay. Dat het hoofdingrediënt eigenlijk primeert. Ja. Op hele lekkere chocolade. Super. En waarom dan het Belgische chauvinistische omtrent het kalleboud? Kalleboud begint vanaf de boon, het verhaal begint vanaf de boon. Dat gaat verder tot de roostering in België.
tot het volledige verwerkingsproces, mm-hmm. tot de chocolade. En kan niet beter zijn. Hè. Dus vandaar het chauvinisme. Ja, alles wordt in België gemaakt, van de boon voilà, tot chocolade, ja. waar dat jij dan deze smaakbom mee gaat maken. Hè. Absoluut. Kijk, voor mij is de emulsie van de ganache heel belangrijk. Heel smeug, heel glad, blinkt. En dat komt eigenlijk door de hele kleine kellet. Die smelt heel vlot af. En de kwaliteit nadien van de ganache is perfect. Hè. Voor de perfecte textuur. Perfect, ja. Heel smeug. Ja. Een mooie kristallisatie, ja. mooi gebalanceerd. Inderdaad. Voilà. Super. En dat is heel belangrijk als chocolatier. Dus misschien even proeven, hè? Super. Alsjeblieft. Dat blinkt, hè? Mooie textuur. Dank u. Ja. Oh, okay. Mooi, hè? Een beetje pit in. Ja, super. Alexander, ik denk dat wij nog maar één woord hebben. Dat is dankjewel, David. Graag gedaan. Voor deze prachtige ervaring. Super. Ja. Merci, David. Ja, graag gedaan. In de Chocolate Fusion, als we het zo mogen zeggen. Ja, absoluut, absoluut. En wij hebben weer inspiratie bij om er tegenaan te gaan, hè. Tot binnenkort. Bedankt, voilà, oké. Okay. Merci. Ik weet niet voor u, maar ik heb serieus zeer aan mijn benen. Dat was echt enorm gezellig om David Maanaert zo even up, de dijk op te fietsen samen. Perfect, ook de gelegenheid, het kader aan de zee. Wauw. Ik weet niet wat jij ervan dacht, maar ik heb toch nog altijd zeer aan mijn benen. En effet, Patrick, c'était vraiment une bonne idée, ce petit tour en cuistax. Et respirer le bon air de la mer, moi, ça m'a donné pas mal d'idées, justement, pour une nouvelle petite création. Et David Maanaert, c'est quand même un personnage assez excentrique qui fait quand même des combinaisons très intéressantes. Hein. Hij is heel sterk in het pairen van chocoladesmaken en de purees, het fruit, de kruiden enzovoort. Dus dat is wel iets dat we kunnen meenemen in hetgeen dat wij een beetje willen doen. Maar effectief, excentrieker dan hem, bestaat bijna niet in België. Hè, laten we het zo zeggen. Just. Plus het feit, dit jaar toch uitgeroepen en effet. Tot... Beste chocolatier van België 2013 door de Goemio. Dus c'est pas la gnognotte, comme on dit. Il a été élu en effet hein, le meilleur chocolatier reconnu par le guide, le fameux guide Goemio. Et donc c'était vraiment un plaisir de l'avoir vu et qu'il nous ait présenté les produits de son magasin. Dus Alexandre, we zijn naar de zee gegaan. We hebben David Maanaert ontmoet. We hebben een beetje in zijn manier van kijken, denken, voelen, proeven kunnen instappen. Wat heeft u dat geïnspireerd vandaag om er iets uit te halen zo? Écoute Patrick, moi j'avais pensé peut-être un petit chocolat salé, un petit chocolat d'apéritif. Donc c'est pas un chocolat qu'on va prendre durant la pause café, le moment du 4 heures, mais plutôt peut-être au moment de l'apéritif. En faire quelque chose un petit peu particulier. Et j'ai eu la chance de le tester auparavant. C'est très sympa. Ok, dus de bedoeling is echt van eigenlijk David Maanaert excentriek in het zoete. Wij gaan even excentriek in het zoet-zoute. Exactement. Okay, on va faire un petit sucré-salé. Alors regarde, ici on a pris les différents ingrédients qu'on va utiliser dans notre préparation. Donc ici on a un praliné amande. Donc c'est un bon praliné chez Calbo qui est bien toasté. Donc grillé, dus geroosterd. Echt mooi geroosterde amandelnoot. Bien torréfié. Voor onze praliné, ja. Donc ici hein, donc on est à 50% d'amande bien torréfiée. On va encore l'accentuer dans le goût et on va rajouter une partie de pure pâte amande aussi qui est bien torréfiée. Ook geroosterd. D'accord. Super. Is dat dat is hebben we daar nog pastas van? Oui, tout à fait. Donc ça c'est une pure pâte amande bien torréfiée. Et on a la pistache dans la gamme aussi. On pourrait s'imaginer la même recette avec la pistache, tu crois ou... Peut-être pas la même recette directement, ouais. Mais par contre, il y a en effet beaucoup d'applications où on peut utiliser les ça autres. On est sûr qu'on a de la pure pécan, on a de la pure pistache. Donc on pourrait, il y a la noisette qui est connue encore par tout le monde. Dus iedereen kent de notenpasta, de PNP. Dus zou perfect gaan als je niet zo van amandel houdt om over te schakelen naar hazelnoten. Exactement. Super. Avant de continuer avec la recette, Patrick, on va cristalliser le chocolat parce que tout à l'heure, on va devoir enrober ces petits bonbons. Donc, je me permets ici de présenter, voici le nouveau packaging de chez Calbo avec le système Choclock. Je vais vous montrer
Donc ici, on a juste à découper. Et maintenant, on offre un zip ici. Donc c'est un sac qui se referme très facilement et ça permet de garder tous les arômes du chocolat. Ici, dans un chocolat 823, un grand classique chez Calbo, c'est un chocolat assez cacaoté. Donc on va maintenant... C'est wel un belangrijk gegeven, want ik kunnen zeggen vandaag, ik kan mijn zak door het chocolat-systeem open doen, terug toedoen, wat inhoudt dat je het gemakkelijk terug kan toedoen en op je schap zetten, dat er geen vocht aan kan, want u weet het allemaal, vocht en chocolade is geen ideaal koppel. Tout à fait, l'humidité et le chocolat, ce ne sont pas deux grands amis. Donc voilà, Patrick, je te verse, on va précristalliser le chocolat. Voilà, on va mettre plus ou moins un quart de chocolat. Ici, on a déjà baissé un petit peu la température. Regarde, le sac maintenant, il tient tout seul, c'est super. On le remet dans les rayons, sans problème. Donc en attendant, on va bien mélanger pour avoir une belle cristallisation. Moi, je continue avec la recette. Donc, on a mis ici les pâtes d'amande, le praliné amande. On va ajouter du beurre de cacao. Le beurre de cacao, dans ce cas-ci, va permettre de durcir le praliné, de cristalliser le praliné. On aura une petite quantité de chocolat au lait, c'est ce qui va donner un petit peu ce goût cacaoté dans la préparation. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, Alexandre, is de bedoeling dus de cacaoboter om toch in de chocolade, niet enkel de chocolade om die cacaosmaak te geven, maar ook om ergens uw massa te gaan kristalliseren voor gemakkelijk snijbaar te maken. Exactement. Maar ze blijven toch redelijk zacht ook door de notenpasta's die we gebruikt hebben, door de olie van de noten. Tout à fait. C'est vrai que si on ne met pas de beurre de cacao, ben on n'aura jamais une masse qui va cristalliser et donc on pourra, ça sera impossible de pouvoir les couper à la guitare. Entre-temps, je touille. D'accord, vas-y. Alors Patrick, si je peux te demander, ici on va utiliser la pailleté feuilletine qui est un produit phare aussi chez Calbo. C'est ce qui permet dans toutes les applications ce bon croquant qu'on aime et qu'on adore. Ici, dans cette application, le fait qu'on va faire des tout petits chocolats, on va la concasser un petit peu pour avoir plus de facilité après à la guitare à découper. Donc ici, bon, voilà, c'est super avec un rouleau comme ça métallique. Si tu peux me l'écraser un petit peu, la résumer un petit peu. Dans ce cas, c'est vraiment helemaal tegenstrijdig van de feuilletine. Want meestal hebben we graag dat die feuilletine de grote vlokken blijft, hè, om die krokantheid. Maar hier, aangezien we toch naar een aperitief pralinetje gaan, is de noodzaak dat we die zeer kleine kubusjes gaan snijden. Dus moet die lichtjes gebroken zijn om ook straks gemakkelijk te kunnen versnijden met het snijdraadapparaat. Ouais, c'est très bien, comme ça, ça se... qu'on casse très facilement. Ce qui est fort important, Patrick, c'est que toutes les masses grasses donc, qu'on a mis ici à l'intérieur soient bien mélangées ensemble. C'est très, très important que le beurre de cacao soit bien réparti dans toute la masse pour avoir une cristallisation homogène, uniforme. Donc ici, j'insiste bien sur le fait de bien mélanger. On va pouvoir ajouter la feuilletine que tu viens de concasser. C'est magnifique. Voilà. Tu es prêt? Oui. Ça, c'est super. Bon, là, Gris, bien dedans. Dus we gaan hem er gewoon mooi instrooien. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, c'est mooi in. Alors, maintenant, Patrick, ça, évidemment, c'est le petit côté insolite de la recette. On va venir lui ajouter un peu de fleurs de sel. Fleurs de sel, on était à la mer. Comme juste fin de zée. Exactement. Et perfect gedacht, Alexandre. Donc, voilà. Toi, c'est ces beaux petits cristaux. Et les cristaux, on va les laisser. Parce que justement, quand on a la dégustation, c'est bien qu'on tombe sur un petit cristal comme ça de sel. C'est vraiment agréable à la dégustation. Et alors ici, tu sais ce que c'est ça? Sans? Oh, c'est de la chalotte. Exactement. Chalotte. Ok, perfect. Des échalotes, donc c'est des échalotes déshydratées qu'on a passées aussi au cutter pour avoir en poudre. Als ik daar naar ruik, zit ik echt in de chips. Exactement, tout à fait. In de chips, de ajuin, de look, de chalotte. Exactement. Dus dat is wel, ja oké, nu begin ik het een beetje te begrijpen ook van die crunch van de feuilletine, die échalote, is een beetje een chipsachtige met het praliné gegeven. Tout à fait, on est dans le même principe. Alors voilà. On a bien tous les ingrédients ensemble. Ce qui est très important maintenant, c'est de tempérer, de cristalliser toute la masse
sur les 23 degrés. Alors pourquoi cette température? C'est important parce que ici on est avec des pâtes pralinées et des pâtes pures d'amande qui contiennent de l'huile. Donc évidemment la cristallisation doit être plus basse, on doit être plus bas en température. Donc à 23 degrés ça va être parfait. Donc ici Patrick, hein, pour m'assurer, je vais prendre la température. Si tu veux bien me passer le thermomètre. Hop là, s'il vous plaît. On va mesurer, magnifique, merci. Et on doit arriver à une température de 23 degrés. Ok. In parallèle ga ik het kader, het frame al klaarzetten voor u, Alexandre. Oké, dat we dat mooi kunnen gaan kadreren. 22 graden, eerste klas. Kunnen we direct verder gaan. Il est parfaitement égalisé, c'est la quantité impeccable. On le met au frigo. On va le laisser durcir, hein, ça va prendre plus ou moins 2 heures, on va dire, hein, avant que ce soit cristallisé. On va pouvoir les couper à la guitare et tout à l'heure, on va les enrober. Ok? Parfait. Dus we hebben er al een aantal voorgesneden voor jullie. Kleine kubusjes. Je kunt zien, hè, wat zitten we hier? Een halve centimeter op een halve centimeter ongeveer. Hè. Dus we gaan die afwerken. Wat hebben we daarvoor nodig? Donc c'est ça qui est bien ici Patrick, c'est qu'on est dans une autre dynamique. C'est pas le chocolat qu'on a l'habitude de manger avec le café, c'est pour l'apéritif. Donc on a décidé justement de faire des tout petits cubes. Voilà, c'est superbe. Dus we gaan die dompelen. Hetgeen dat heel belangrijk is, dat we deeltje van het stokje ook mee indompelen. Tout à fait. Weer hetzelfde. Mooi afvegen, afstrijken en dan... On gaan le positionne là. Even, dat is geroosterd, gekarameliseerd sesamzaad. He, dus weer zoet-zout. En dat gaat er perfect bij passen. Et j'en mets un petit peu sur le côté, Patrick, c'est ça? Je t'en prie. Allez, magnifique. De cette façon-là, d'un côté, ah, c'est beau, ça donne bien. Hein. Ça donne le côté croquant, le côté gourmand du produit. C'est très sympa. Avec des beaux petits cure-dents comme ça en bambou, c'est appétissant. Mais c'est vraiment facile, hein. C'est vraiment des choses qu'on peut faire facilement à la maison. Het enige dat we nog missen, ik weet niet of dat jij eraan gedacht hebt, Alexandre, ik heb het compleet vergeten, als de champagne. Waar is de champagne, jongen? Hey? En de glaasjes, tout we hadden dat hier al direct. Kijk, une belle petite coupe de champagne, hein. C'est très agréable. Een apéritifje kunnen nemen. Donc on peut aussi, hein, Patrick, hein, dans des autres registres, hein, dans le registre du salé et sucré aussi, il y a d'autres combinaisons. Hein, à l'académie, on a déjà essayé pas mal de choses. On a paprika. Fait des curry sésame, le fameux petit praliné au paprika qu'on avait fait. Si je me rappelle aussi, on avait fait aussi au fromage de chèvre avec la fleur de sel. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est, je veux dire, aussi pour les réceptions, pour ça, vos mariages ou quoi. On va sésame donner. Ça permet d'offrir d'autres choses aux clients que les classiques bouchers. Exact. Ici, on est dans l'excentricité, hein, c'est ce qu'on voulait faire, un petit hommage à David Manaut. Voilà, magnifique, superbe. Donc cela, deze gaan we nu een 5 à 10 minuutjes in de koelkast plaatsen. En die zijn dan klaar om de chocolade te laten uitkristalliseren, mooie glans te geven, mooie kraak te geven, wat ook noodzakelijk is. Het zijn niet alleen de elementen die we verwerkt hebben, zoals de feuilletine en de sesam, die de kraak moeten geven in uw product, maar de chocolade speelt daar uiteraard een grote rol in ook. Hè? Exactement. Dus de chocolaatjes hebben 5 à 10 minuutjes in de koelkast gezeten. We gaan ze eruit halen, mooi op het presentatiebordje zetten. Ze zijn bien brillant, hein, Patrick, ze zijn bien brillant. On voit déjà le croquant là avec le sésame. C'est vraiment très appétissant. Hein. Ik zie dat als idéal productje. Hè. Heel snel kunnen rondgaan voor een walking dinner. Oui, tout à fait. We zijn er bijna, maar mogen we toch onze cameraman niet vergeten om eentje te proeven. Als laatste. Geef dat terug. Hij lacht toch, hè? Zie. Je vois le sourire, en effet. Le sourire. Hij is heel blij met hetgeen dat we nu gemaakt hebben. Je proeft het al. Sorry, maar
Oké, zwart. We gaan het hierbij laten. Ik denk dat we drie mooie gerevisiteerde chocolades hebben kunnen maken doorheen al de drie huizen die we bezocht hebben, hè, Alexandre. Tout à fait. Patrick, ben voilà, c'était super, c'est du bon. Het is Belgisch, hè. Voilà, allez, super. Dank u.